الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. دالونجي تاديو سينيور دي زونيفير. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء والمرسلين. لي بريير اي لي سالوتاسيون سوا سور ليمير دي بروفيت اي دي زونفويي. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. اي جاتيست كيل نيا أوكين ديفينيتي أبار ديو tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الدرس الرابع. Nous allons poursuivre nos cours de biographie ou de sira du prophète, prière et salut sur lui, et exactement avec le quatrième cours. تساءلنا في المرة الماضية, nous avons posé la question la fois précédente, هل الله موجود؟ Dieu existe-t-il? وما الدليل على وجوده؟ Et quelle en est la preuve ou bien l'argument? واستعملنا العقل والعلم فقط من غير آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية. Et nous avons utilisé dans la démonstration uniquement la raison et la science, sans verset coranique ni parole prophétique. فقادنا العلم إلى وجود الله. Et la science moderne nous a mené, nous a guidé vers l'existence de Dieu. وشهد العلم بأن الكون له خالق هو الله. Et la science a témoigné devant nous que cet univers possède un créateur qui s'appelle Dieu, Allah. وشهد العلم بأن القرآن كلام الله. Et la science a témoigné devant nous que le Coran sacré ou le Saint-Coran est la parole et bien la parole de Dieu. وشهد العلم كذلك بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله. Et la science a témoigné devant nous que Muhammad, prière et salut sur lui, est bien l'envoyé et messager de Dieu. وهنا أشكر العلم. Et là, je remercie la science. فابتداء من الآن سنستعمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. À partir de maintenant, nous allons utiliser les versets coraniques, les paroles prophétiques. لأن العلم شهد كما رأينا بأن الآيات كلام الله وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله. رسول الله, parce que la science a témoigné que les versets sont la parole de Dieu et que Muhammad, prière et salut sur lui, est l'envoyé de Dieu. إذن فاستعمالنا للآيات والأحاديث الصحيحة طريقة علمية للوصول إلى الحقائق الغيبية. Donc notre utilisation des versets coraniques, des hadiths prophétiques authentiques n'est qu'une méthode scientifique basée sur la science pour arriver aux vérités qui relèvent de l'invisible ou de l'inconnu. Quel jannah, comme le paradis. Là, nous n'avons pas l'ilm. On ne peut pas, avec la science moderne, parler du paradis. Mais si on suit ce que disent les versets, ce que disent les versets coraniques ou les hadiths prophétiques, on parle à ce moment-là avec méthode scientifique. Parce que la science nous a dit que Dieu existe, et ça, c'est sa parole. إذا تكلمنا عن النار فهي طريقة علمية. Lorsqu'on va aborder l'enfer, il s'agit d'une méthode scientifique. Si on se base sur les versets coraniques ou bien les hadiths prophétiques, وكذلك إذا تكلمنا عن الملائكة أو الجن, ou si on parle une autre fois des anges ou bien des diables ou génies, on ne va pas parler de choses irrationnelles, mais on va parler en se basant sur une méthode scientifique, etc. وهنا ربما يقول قائل, là peut-être quelqu'un va se poser la question,
الإسلام ليس دين علم. الإسلام n'est pas une religion scientifique ou de science. لأنه استعمل العلم حتى وصل إلى الإيمان بالله ثم أبعد العلم. Et après, يعني شكر العلم وقال له اجلس هنا لا تتحرك. Ça veut dire l'islam a utilisé la science pour arriver jusqu'à la foi en Dieu, la croyance en Dieu, et à ce moment-là, il a éloigné la science. أقول لا, je dis non. الإسلام كله مبني على العلم. L'islam complet, l'islam entier est basé sur la science. فالعلم كما رأينا يسبق الإيمان. Comme nous l'avons vu, la science précède d'abord la foi et la croyance. يقود إلى الإيمان. Elle mène, ça veut dire la science mène vers la foi. ثم يرافق الإيمان. Mais après, elle n'est pas remerciée. Non, elle accompagne la foi. أولا, premièrement, فالعلم حارس للإيمان من الشك. La science préserve, protège la foi contre le doute. وثانيا, et deuxièmement, العلم خادم للنصوص القرآنية أو النبوية. La science est un ou constitue un serviteur ou qui est, ou la science est au service des textes coraniques ou prophétiques. فلولا العلماء لما فهمنا الدين. Sans la présence de savants en religion, on n'allait pas comprendre la religion. وبعد هذه المقدمة أتساءل. Et après cette introduction, je m'interroge. لقد عرفنا في الدرس السابق بأن الله موجود. Nous avons connu avec certitude dans le cours précédent que Dieu existe. فما هي صفاته؟ Quels sont donc ses attributs؟ وكيف هو؟ Et comment est-il Dieu؟ Il existe. Mais sous quelle forme؟ Quelle est la forme de Dieu؟ أين يوجد؟ Où se trouve-t-il? Dieu existe. Mais où se trouve-t-il? Aïna yujad? Ouin yujad Allah Ta'ala wa Tabarak? Aïna huwa mawjoud? Kam umru? Quel est son âge? Ila akhiri, etc. On peut poser plusieurs questions dans ce sens. Qabla al-jawab, avant de répondre, aqul hunaka man yadhunnu anna Allah ala shakl rajul qawi. جد كبير حكيم كريم. Il y a des gens parmi les musulmans éloignés de la science qui pensent que Dieu a une forme humaine, la forme d'un homme très fort, très 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 grand, sage, généreux, يسكن في السماء, qui habite dans le ciel, لابس ثياب بيضاء, habillé d'habits blancs, وله شعر أبيض, il a des cheveux blancs, لحية بيضاء, une barbe blanche, يخرج النور من وجهه, la lumière déborde de son visage, وهو جد كبير في السن, il est avancé dans l'âge, très âgé. هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات كفر. Ce genre de paroles, mes frères et mes sœurs, et la pure mécréance. هذه العقيدة عقيدة الكفر. Cette foi, cette doctrine est la foi de la mécréance. ومن اعتقد هكذا فعليه بالتوبة. Celui qui croit à un tel Dieu doit se repentir. وتجديد الإيمان. Il doit renouveler sa foi. لأن الله تعالى يقول عن نفسه في آيتين محكمتين. Parce que Dieu le Très-Haut dit à propos de lui-même dans deux versets explicites, clairs, معناهما واضح, لا يحتمل أي خلط, et qui, des versets qui ne prêtent aucune confusion. يقول في الآية الأولى, il dit dans le premier verset, ليس كمثله شيء. سبحان الله. ليس كمثله شيء. Rien n'est à son image. بمعنى لا يوجد
في كل المخلوقات التي أمامكم والتي لا تظهر لكم شيء يشبه الله. C'est-à-dire, il n'y a pas dans toutes les créatures, visibles ou invisibles, quelque chose qui ressemble à Dieu. وقال في الثانية, et il a dit dans le deuxième verset, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُؤًا أَحَدٌ. Nul ne lui est égal. بمعنى لا يوجد في المخلوقات كفؤًا واحدًا أو مماثلًا واحدًا لله. C'est-à-dire dans toutes les créatures, il n'y a pas une seule qui est égale ou semblable à Dieu. يقول العلماء, les savants disent, كل ما خطر ببالك فالله مخالف لذلك. Tout ce qui te vient à l'esprit, c'est-à-dire concernant Dieu, Dieu est différent de lui. Tout ce qui te vient à l'esprit, Dieu est différent de lui. C'est-à-dire de ce que tu, ce qui te vient à l'esprit. بمعنى العقل البشري لا يمكن أبدا أن يتخيل الله. Ça veut dire la raison humaine ne peut jamais imaginer Dieu ou la forme de Dieu. والله له أوصاف الكمال. Dieu détient les attributs de perfection. Il est le parfait, l'infiniment parfait, dans tous les côtés et les domaines. ويجب تنزيهه عن كل نقص أو ضعف. Et on a l'obligation de le détaxer de tout défaut ou toute faiblesse. De le mettre au-dessus, très largement au-dessus des faiblesses des créatures ou des défauts des créatures. فالله لا شريك له. Dieu nul ne lui est associé. لا أب ni père, ولا أم ni mère, ولا زوجة ni épouse ou femme, ولا ولد ni enfant. Allah لا يحتاج لأحد. Dieu n'a besoin de personne. فالإحتأنت الذي تحتاج أنا الذي أحتاج. C'est toi qui a besoin, c'est moi qui a besoin, parce qu'on est des faibles, on est des créatures. فالإحتياج للآخرين نقص لا يليق بالله. Avoir besoin des autres est un grand défaut ou une grande faiblesse qui ne convient pas à la divinité de Dieu. Allah لا يضمه مكان. Dieu ne peut pas être contenu dans un lieu. ولو كان كبيرا كالسماء. Même si ce dernier, le lieu, est très vaste et grand comme le ciel. Le ciel est incapable de contenir Dieu. Dieu c'est Dieu et le ciel c'est une créature de Dieu. المكان لا يمكن أبدا أن يضم الله. ما يوجد مكان يمكن أن يكون الله تعالى وتبارك فيه, لأن المكان صغير والله كبير. والله لا يجري عليه زمان. Dieu ne subit pas le passage des siècles et des temps. Ça veut dire il ne vieillit pas. لا يحتاج للمكان وللزمان. Dieu n'a pas besoin à un lieu pour exister. N'a pas besoin autant pour progresser. لأنه خالق الزمان والمكان. Parce que c'est lui le créateur de l'espace et du temps. فلا يمكن أن يقال أين يسكن الله. أو كم عمر الله. Donc on ne peut même pas poser la question où habite-t-il, parce qu'il n'a pas de lieu. Il n'a pas une habitation, une demeure. Il n'a pas besoin. S'il a besoin, ça veut dire qu'il devient faible comme nous. Il n'a pas besoin d'un lieu ou d'une habitation. On ne peut pas dire quel est son âge, parce qu'il ne subit pas le passage des siècles. فَهَذَا نَقْصٌ لَا يَلِقُ بِكَمَالِ اللَّهِ. Parce que le lieu ou le vieillissement ne sont pas convenables à la perfection divine. بَلْ هُوَ مِنْ أَوْصَافِ الْمَخْلُوقَاتِ. Ces deux font partie des attributs des créatures. Ça veut dire le lieu ou le vieillissement. وَاللَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ. Dieu n'a pas un corps ou n'est pas un corps. ولا يصح عليه لوازم الجسم. Et il ne subit pas les contraintes que peuvent subir les corps. كالحركة, comme le mouvement.
أو الانتقال من مكان إلى مكان أو bien le déplacement d'un lieu à un autre أو الجهة أو bien la région ça veut dire le localiser dans une région ou dans une direction وكذلك فالله ليس بجاهل de la même manière pour éliminer ou éloigner de Dieu tous les défauts ou faiblesses Dieu n'est pas ignorant il ne peut pas être Dieu et en même temps ignorant ليس بجاهل وليس كاذب ولا كاذب Dieu n'est pas un menteur il ne dit que la vérité لا ينام il ne dort pas comme nous لا ينسى il n'oublie pas comme nous لا يأكل il ne mange pas ce sont des faiblesses ce sont des défauts لا يأكل il ne mange pas لا يشرب il ne boit pas il n'a pas besoin à s'alimenter لا يتنفس il ne respire pas il n'a pas besoin de l'air comme nous لا يموت il ne meurt pas il ne connaît pas la mort comme nous إلى آخره etc ليس كمثله شيء rien n'est à son image هنا يطرح إشكالان là il y aura deux problèmes qui vont se poser devant le croyant الإشكال الأول le premier problème إذا كان الله لا يشبه مخلوقاته si Dieu ne ressemble pas à ses créatures فكيف نجد هناك صفات مشترك بينه وبين الإنسان comment on trouve des attributs communs entre ses attributs à lui et les attributs de l'homme كالعلم comme la science كالقدرة comme la puissance la capacité كالحياة comme la vie إلى آخره etc الجواب la réponse كل هذه الصفات هبة من الله للإنسان tous ces attributs ne sont qu'un don de la part de Dieu fait à l'homme ولا يمكن للإنسان أن يتصف بها donc on ne peut pas caractériser l'homme avec ses attributs لأن مصدرها ليس من الإنسان ولكن من الله parce que la source de ses attributs la source n'est pas l'homme la source vient de la part de Dieu ولا مقارنة بين علم الله وعلم الإنسان on ne peut pas mes frères et mes sœurs comparer entre l'omniscience entre la science de Dieu et celle de l'homme أو قوة الله وقوة الإنسان ou comparer entre la puissance de Dieu et la puissance de l'homme وعلم الإنسان مسبوق بجهل ثم تعليم الإنسان كان جاهلا أنا وأنت كنا صغارا جهالا ثم تعلمنا ثم كسبنا شيئا من العلم الإنسان علمه مسبوق بالجهل ثم التعليم وعلمه جد محدود علمي أنا محدود وعلمك محدود وعلم العالم الفلاني محدود له حد علم الله لا حد له La science de l'homme est précédée par l'ignorance On était des bébés, on était des gamins, on était des enfants de 4 ans, de 6 ans, on ne savait rien. Donc notre science, notre savoir a été précédé par l'ignorance, puis par une zone ou période d'apprentissage à l'école. Donc on a appris. Et notre science est petite et très limitée. يُرَافِقُهُ النِّسْيَانِ Et notre science est accompagnée de l'oubli. On apprend et après on oublie. Il faut apprendre encore. أَمَّا عِلْمُ اللَّهِ Tandis que la science de Dieu, فَعِلْمُ اللَّهِ قَدِيمُ La science de Dieu est éternelle depuis le début. Et il n'y a pas de début à son début. لَمْ يَسْبِقْهُ جَهْلٌ La science de Dieu n'a pas été précédée comme la science de l'homme par une période d'ignorance. وتعليم et par une période d'apprentissage وعلمه لا متناهي la science de Dieu est infinie غير محدود et non limitée c'est pas comme la science de l'homme ومن غير نسيان et la science de Dieu n'est jamais accompagnée de l'oubli Dieu n'oublie jamais والله هو الذي علم الإنسان et c'est Dieu qui a appris la science à l'homme tout ce que l'homme sait C'est Dieu qui est la source. C'est lui qui a enseigné à l'homme ce qu'il a su.
وقدرة الإنسان وقوته جد محدودة. La puissance, la capacité de l'homme est très limitée. مسبوقة بضعف, précédée d'une faiblesse. L'homme ne savait pas marcher. L'homme était un bébé un certain jour. Donc il n'avait aucune puissance, aucune capacité. مسبوقة بضعف ومتبوعة بضعف. Et la puissance ou la force de l'homme ou la capacité de l'homme est suivie de la même manière d'une faiblesse avant ou pendant les années où on attend la mort. مرتبطة بمشيئة الله, la puissance de l'homme est liée à la volonté de Dieu. أما قدرة الله فقديمة غير محدودة, tandis que la puissance de Dieu est éternelle, illimitée, infinie. ولا مسبوقة, elle n'est pas précédée par une faiblesse de Dieu. ولا متبوعة بضعف, et non pas suivie par une faiblesse comme pour l'homme. أما حياة الإنسان فقصيرة, tandis que la vie humaine elle est très 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 courte. مسبوقة بعدم, précédée d'un néant. متبوعة بموت, suivie d'une mort. مرتبطة بمشيئة الله, la vie de l'homme est liée à la volonté de Dieu. Il peut prolonger sa vie comme il peut lui enlever la vie. وحياة الله, tandis que la vie de Dieu, غير مسبوقة بعدم, n'est pas précédée d'un néant. غير متبوعة بموت, n'est pas suivie d'une mort. حياته لا نهاية لها في الماضي. Sa vie n'a pas, est infinie vers le passé. Ça veut dire qu'elle est éternelle, sa vie est éternelle dans le passé, éternelle aussi dans le futur. ولا نهاية لها في المستقبل. Il est l'éternel. وهكذا يتضح أنه لا اشتراك بين صفات الله وصفات العبد. Et là, on voit qu'il n'y a aucun point commun entre les attributs de Dieu et les attributs de l'homme. في مجال العلم والقدرة والحياة, dans le domaine de la science, de la puissance ou la capacité et la vie. بل هناك اشتراك في الأسماء فقط. Il y a un point commun uniquement dans les noms. On dit Dieu est savant, il a la science, et on dit l'homme, il a la science. C'est-à-dire qu'il n'y a que le nom qui est commun, mais ce qui est derrière le nom n'est pas commun, les attributs ne sont pas communs. فبدافع اللغة, بدافع من اللغة, نسمي الإنسان عالما. C'est par un abus de langage qu'on appelle l'homme un savant, أو قادرا أو حيا. Ou par abus de langage, on appelle l'homme puissant, capable ou vivant. أما العلم الحقيقي, القدرة الحقيقية, الحياة الحقيقية, فهي لله سبحانه وتعالى. Tandis que la vraie puissance, la vraie science, la vraie vie est celle de Dieu ou qui vient de Dieu. الإشكال الثاني, le deuxième problème. توجد آيات وأحاديث تفيد حسب ظاهرها, حسب ظاهر ألفاظها, ثبوت بعض النقائص أو الضعف لله تعالى وتبارك. ومن الآن حاولوا تردوا بالكم مليح باش تفهموا ما سيأتي, لأن شوية صعيب. Donc à partir de maintenant, il faut faire un peu d'effort pour comprendre ce qui va suivre, parce que peut-être c'est un peu difficile. Il y a, mes frères et mes sœurs, dans le deuxième problème, il y a des versets, des hadiths, des paroles qui signifient, selon leur sens propre, selon leur apparence, selon l'apparence des mots prononcés par Dieu dans ces versets, l'affirmation, ils signifient l'affirmation de quelques défauts ou quelques faiblesses à l'égard de Dieu le Très-Haut et le Tout-Puissant. Quel jihad ? Comme la région. Il y a des versets qui attribuent à Dieu une région, là où, par exemple, ou il jism, ou attribue à Dieu un corps, ou il a'da, ou des versets ou des hadiths qui attribuent à Dieu des membres, des organes, كالعين, comme l'œil, il a akhiri. Al-Makan, qui attribue à Dieu un lieu, ça veut dire il est dans un lieu. كقوله تعالى, je peux donner quelques exemples de ces versets ou de ces hadiths, quelques exemples, mais pas tous les exemples. أعطي بعض الأمثلة, لا كل الأمثلة. يقول الله في آية, وجاء ربك, et ton Seigneur est venu. Ça veut dire, il y a un bien de une venue
de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire un déplacement, un mouvement. Wa qawluhu, et la parole de Dieu, yadullahi fawqa aydihim, la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Donc ce verset attribue une main à Dieu. Qawl akhar, aya ukhra, un autre verset qui dit ar-rahmanu ala al-arsh istawa. استوى على العرش يعني نفهم أن الله جالس على عرش من هذه الآية حسب الظاهر. Le très miséricordieux s'est établi sur le trône. Donc il y a un établissement de Dieu sur une créature qui s'appelle le trône. وقول النبي صلى الله عليه وسلم, la parole du prophète, prière et salut sur lui, إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. Les cœurs des humains, tous les humains, sont entre deux doigts, parmi les doigts du miséricordieux. معنى الله له أصابع, ça veut dire Dieu a des doigts. قوله صلى الله عليه وسلم, la parole du prophète, prière et salut sur lui, إن الله خلق آدم على صورته. Le prophète, prière et salut sur lui, dit dans un hadith, Dieu a créé Adam à son image. ممكن أن نفهم على صورة الله. وهذا يوجد في التوراة. هذا الكلام موجود في التوراة. Donc le prophète dit une parole qui existe aussi dans la Bible. Dieu créa Adam à son image. Quelques-uns vont comprendre à l'image de Dieu. Ça veut dire l'homme est à l'image de Dieu. وقوله صلى الله عليه وسلم, la parole du prophète, prière et salut sur lui, dans laquelle il dit ينزل ربنا إلى السماء الدنيا, يعني في كل ليلة, notre Seigneur descend vers le ciel le plus bas, ça veut dire pendant chaque nuit. إذن الله يتحرك له حركة وينزل إلى السماء, ça veut dire Dieu accomplit un mouvement et descend, il est localisé dans un ciel le plus bas. فكيف نفهم هذه الآيات والأحاديث. Donc comment peut-on comprendre ces versets et ces hadiths? وَهِيَ تُثْبِتْ لِلَّهِ يَدًا, des versets, des hadiths, des paroles qui affirment pour Dieu l'existence d'une main. وَعَيْنًا, l'existence d'un œil. وَرِجْلًا, l'existence d'un pied. وَوَجْهًا, وَجْهُ رَبِّكَ, موجودة يعني في القرآن, l'existence d'un visage ou d'une face de Dieu. إلى آخره, etc. الجواب, la réponse, انقسم العلماء أو انقسم المسلمون إلى ثلاثة أقسام. Les musulmans se sont partagés en trois groupes. قسم ذهب إلى أقصى اليمين, un groupe qui est parti vers l'extrême droite. فأثبت لله ما أثبت الله لنفسه. Il, ce groupe a affirmé pour Dieu ce que Dieu a affirmé pour lui-même. فجعلوا من الله بشرا من حيث لا يشعرون. Et ils ont fait de Dieu un homme. Ils ont humanisé la divinité. Ils ont fait de Dieu un homme sans se rendre compte. فعبدوا صنما. Et ils ont adoré une idole, une statue qui a des pieds, des mains, une tête. وَقِسْمٌ ذَهَبَ إِلَىٰ أَقْصَى الشِّمَالِ, un autre groupe qui a viré vers l'extrême gauche. فَنَزَّهُ اللَّهَ عَنْ كُلِّ أَنْوَاعِ النَّقْصِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِكَمَالِ الْأُلُوهِيَةِ. Et ils ont détaxé Dieu de tout type de défauts ou faiblesses qui sont incompatibles avec la divinité ou la perfection de la divinité. فَجَعَلُوا مِنَ اللَّهِ لَا شَيْءٍ. Et ils ont fait de Dieu un néant, un rien. Ils l'ont détaxé de la main, ils l'ont détaxé de ceci. On a tout enlevé, enlevé, enlevé. Et après, il reste rien. Et on a adoré rien. جَعَلُوا مِنَ اللَّهِ لَا شَيْءٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Ils ont fait de Dieu un rien, sans se rendre compte. فَعَبَدُوا عَدَمًا. Et ils ont adoré un néant. نَاسْ عَبَدُوا صَنَمًا وَنَاسْ عَبَدُوا عَدَمًا. Des gens qui ont adoré une idole, d'autres qui ont adoré à l'opposé un rien.
أعطيكم مثالا، je vous donne un exemple. رجل سافر في بداية القرن الماضي من قريته إلى المدينة. Un homme qui voyagea dans le siècle passé de son village vers une ville. ولما رجع à son retour اجتمع حوله الناس. Les hommes, les gens se sont rassemblés autour de lui. فقالوا له et lui dirent ماذا رأيت في المدينة؟ Qu'as-tu vu dans la ville? قال عجبا. Il dit une chose extraordinaire, merveilleuse. رأيت صندوقا من الخشب يتكلم. J'ai vu une boîte faite à partir du bois qui parle. اسمه الميديا الراديو. Qui s'appelle la radio. فتعجب القوم. Les gens se sont étonnés. Ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu une chose pareille qui s'appelle la radio. ما سمعوا بهذا الكلام. ما سمعوا صندوق خشب يتكلم في الماضي. واجتمع الحكماء. واجتمع العقلاء. Et les sages, les gens doués d'intelligence et de raison parmi les hommes de ce village se sont réunis le soir pour analyser l'information, لتحليل الخبر. فقالوا, ils dirent, إذا كان يتكلم فهذا يعني أن له فما. S'il parle, cette boîte de bois qui parle, qui s'appelle la radio, si la boîte arrive à parler, ceci signifie elle possède une bouche. لا يمكن الكلام من غير فم. Il est impossible de parler sans avoir la bouche. وإذا أخرج الحروف فهذا يعني أن له شفتين. كي تخرج الحروف لا بد لك من شفتين وأسنانا ولسانا. Et si cette boîte arrive à sortir des sons, des voix, des lettres, ça veut dire cette boîte possède en plus de la bouche deux lèvres, des dents et une langue pour formuler les lettres. وله رئتين تخرج الهواء كي يتكلم لأن يتكلم بالهواء الخارج من الرئتين. Et ça veut dire la boîte possède deux poumons qui sortent de l'air et c'est grâce à l'air qu'on arrive à parler. بمعنى له أنف يدخل منه الهواء. Ça veut dire il possède auparavant ou la boîte possède auparavant un nez à partir duquel elle fait entrer l'air qui va ressortir des poumons pour formuler les phrases. وإذا كان يتكلم بمعنى فهو يسمع. Et s'il parle, si la radio parle, ça veut dire elle entend. وإلا فكيف تعلم الكلام؟ إذن فله أذنين. Sinon comment la boîte de bois a appris la parole sans écouter auparavant pendant la période d'apprentissage? Ça veut dire la boîte a deux oreilles. وإذا كان يتكلم فهو يفكر. Et si la boîte de bois parle, ça veut dire elle réfléchit, elle pense. إذن له عقل. Donc elle est douée d'une raison, elle a une raison. إذن له دماغ. Donc elle a un cerveau. إذن له رأس. Donc elle a une tête. ولكن إذا كان له أسنان. Mais si cette radio possède des dents, فهو يأكل. Donc elle mange avec ses dents. إذن فله معدة. Donc elle possède un estomac. إذن فهو حي. Donc elle est vivante. إذن فلا بد له من رجلين ويدين. Donc la boîte doit nécessairement posséder deux pieds et deux mains pour pouvoir vivre et mener une vie normale. Il a arrêté, etc. هذا المثال, cet exemple, وإن كان بسيطا, même s'il s'agit d'un exemple très simple, فهو يبين حدود العقل. Cet exemple montre la limite de la raison. أمام الشيء الذي لم نره ولا مرة. La limite de la raison devant la chose qu'on n'a jamais vue, même une fois. فإذا كان العقل عاجزا أن يتخيل مذياعا راديو. Si la raison s'avère incapable d'imaginer la forme d'une radio qui parle, une radio petite, radio sarir, فكيف يتخيل الله العظيم.
comment la raison va imaginer ou arriver à imaginer Dieu, le très 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 grand ou l'infiniment grand. وهنا أمر إلى القسم الثالث et là je passe au troisième groupe وهم أصحاب السنة والجماعة qui est le groupe qu'on appelle les gens de la sunna et de la jama'a, ça veut dire de la communauté. ويتكونون من فريقين. Ce groupe se compose de deux, السلف والخلف, le salaf et le khalaf. Le salaf, c'est les ancêtres, les prédécesseurs. Le khalaf, c'est les successeurs des ancêtres. الأول, le premier, السلف, le salaf, المسلمون في العصر الأول, les musulmans de la première période, عصر الإيمان والتقوى, la période de la foi et de la piété. فمذهبهم إثبات ما أثبته الله لذاته. Leur rite est le suivant, c'est d'affirmer à Dieu ce que Dieu a affirmé pour lui-même. مع تنزيهه عن كل نقص ومشابهة للمخلوقات. Mais en même temps, en le détaxant de tout défaut ou toute ressemblance aux créatures. وتحويل العلم التفصيلي لهذه النصوص إلى الله عز وجل. Et de laisser la compréhension de ces textes équivoques à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui comprend ce qu'il veut dire de ces textes. يقولون مثلا, il disait par exemple, نؤمن بها بهذه النصوص يد الله إلى غير رجل الله إلى غير ذلك, نؤمن بها على مراد الله, على ما أراد الله, نحن نؤمن كما أراد الله, وإن كنا لا نعرف ماذا يريد الله من هذا الكلام, نحن نؤمن من غير أن نفهم, نؤمن بها كما جاءت, نؤمن بها على مراد الله. On va croire à ces textes équivoques selon la volonté de Dieu. Dieu certainement a voulu dire quelque chose. Nous, on va croire à ce que Dieu a voulu dire sans comprendre ce qu'il a voulu dire. On laisse la compréhension à lui. On ne rentre pas dans les détails. Donc, on croit sans détail. On laisse selon la volonté de Dieu. Il disait passez-les, ça veut dire ces textes, sans commentaire. Laissez-les sans commentaire. فكانوا يؤولونها تأويلا إجماليا كما شرحنا. Donc ils interprétaient ces textes une interprétation globale comme ce que j'ai expliqué. لأنها معارضة للآيات المحكمة الواضحة, parce que ces textes sont ou s'opposaient aux versets explicites clairs comme ليس كمثله شيء, rien n'est à son image. ومرة سأل رجل الإمام مالك عن آية الاستواء. Une fois, un homme interrogea l'imam Malik à propos du verset de l'établissement. Le très miséricordieux s'est établi sur le trône. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. سأل الإمام مالك يعني ما تعني هذه. فقال الإمام. L'imam lui dit الاستواء غير مجهول. L'établissement est connu. Ça veut dire n'est pas inconnu. Est concevable, est connu. والكيف غير معقول. Mais la façon est inconcevable. والإيمان به واجب, mais croire en ceci est obligatoire. والسؤال عنه بدعة, et poser une question là-dessus est une بدعة, est une innovation, ça veut dire qu'il n'existait pas à l'époque du prophète, prière et salut sur lui. ثانيا مذهب الخلف. Deuxièmement, je passe au rite, à la doctrine des successeurs. وهو تأويل النصوص المتشابهة وفق النصوص المحكمة الأخرى التي تنزه الله عن النقائص. Le rite consistait à interpréter les textes équivoques qui prêtaient confusion, les interpréter conformément aux textes explicites et clairs qui détaxaient Dieu de tout défaut ou faiblesse. والذي دفعهم إلى ذلك هو الدفاع عن الإسلام. La chose qui les a poussés à interpréter, c'était la défense, défendre l'islam. وحماية الإيمان عن الشك, et préserver ou protéger la foi contre le doute. فبعد العصر الأول, après la première époque, la première période de l'islam, وصلت الفلسفة اليونانية والفارسية إلى المسلمين. La philosophie grecque, la philosophie des Perses est arrivée
vers la terre d'Islam. وبدأ أعداء الإسلام يهاجمون الإسلام بالفلسفة. Et les ennemis de l'Islam ont commencé à attaquer l'Islam avec l'arme qui s'appelle la philosophie. ووضعوا الأصابع على الآيات المتشابهة ليهدموا الدين. Ils ont indexé, ils ont montré du doigt les versets équivoques qui prêtent confusion pour pouvoir détruire la religion. وليزرعوا الشك في قلوب المسلمين. Et afin de semer le doute dans les cœurs des musulmans. وأوهموا بأن هناك تناقض في القرآن. Ils ont laissé dire comme quoi il y a une contradiction flagrante dans le Coran. مثال, je donne un exemple. قوله تعالى, le verset dans lequel Dieu dit وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, qui يتكلم مع موسى عليه السلام. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, Dieu là parle avec Moïse, lui dit dans un verset, afin que tu sois élevé devant mon œil. وَقَوْلِهِ, et dans un autre verset Dieu dit وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, هنا يتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم, وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ يَا مُحَمَّدْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, supporte avec patience l'arrêt de ton Seigneur, tu es devant nos yeux. Et là il a cité l'œil au pluriel, pas deux mais plusieurs yeux. فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ بين الآية الأولى التي أثبتت عينا واحدة لله. Comment donc réconcilier entre le premier verset qui a affirmé l'existence d'un seul œil pour Dieu والثانية التي أثبتت عدة أعين, et le deuxième qui a affirmé l'existence de plusieurs yeux, والآية التي تنفي العين, et le verset qui renie l'existence d'un œil pour Dieu, ليس كمثله شيء, rien n'est à son image. قال تعالى عن أصحاب الضلال, Dieu a dit dans un verset à propos des gens d'égarement ou qui veulent induire, qui veulent égarer les créatures, les croyants, Dieu a dit dans un verset coranique, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات, آيات واضحات, ما فيهمش شك ولا مفهومات, آيات واضحات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات, ولكن آيات أخرى فيهم التشابه, ممكن تفهم فيهم هكذا وممكن تفهم فيهم هكذا, ممكن تفهم العكس والعكس, وأخر متشابهات, بمعنى هذا ابتلاء من الله, الله يعرف هذا وجعل القرآن هكذا, فيه محكم وفيه متشابه حتى يكون ابتلاء لبعض العباد. C'est lui qui fit descendre sur toi le livre dont certains versets sont bien explicites. Ce sont l'écriture mère, c'est-à-dire ce sont les piliers du Coran, et d'autres prêtent à confusion. Ça veut dire c'est lui, c'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui a voulu que quelques versets soient explicites et d'autres soient équivoques, qui prêtent à confusion. Ça veut dire il s'agit d'une épreuve voulue par Dieu subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs. ماذا تقول آية التي من بعدها, que dit le verset qui va suivre? فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Ceux qui ont en leur cœur une tendance à l'errance, ça veut dire à l'égarement, suivent ce qui en est équivoque en vue de la discorde et en vue de son interprétation. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Or, ne sait son interprétation que Dieu, et les gens bien enracinés dans la science disent « Nous y avons cru, tout vient de notre Seigneur, seuls se souviennent les gens doués d'intelligence. » Donc nous avons dit « Pour protéger la religion, et afin de protéger la foi contre le doute dans les cœurs des musulmans, et devant la philosophie étrangère, استعمل العلماء من الخلف
العقل والمنطق والحجة لتأويل الآيات المتشابهة. Les savants musulmans ont utilisé, parmi les successeurs, ont utilisé la raison, la logique, des arguments forts pour interpréter les versets qui prêtent confusion. فَفَصَّرُوا الْإِسْتِوَى بِالْقُوَّةِ وَالسُّلْطَانِ. Ils ont interprété l'établissement par la force, par le pouvoir, par la puissance. نقول استوى الملك على البلاد. On dit tel roi s'est établi sur tel pays. بمعنى بسط نفوذه على كل البلاد. Ça veut dire il a étendu son pouvoir sur toutes les parties du pays. Là, بمعنى جلس. Mais ça signifie pas que le roi s'est assis sur le pays. C'est ça ne veut rien dire. وفسروا اليد بالقوة أو الكرم. Ils ont interprété la main par la puissance, la force, ou par la générosité. والعين بالحماية والرعاية. Ils ont interprété l'œil par la protection et l'aide. وفسروا الأصبعين بالإدارة والقدرة. كيف يشاء. Ils ont interprété les deux doigts ou les doigts par la volonté, la capacité. Ils dirigent les cœurs comme ils veulent. وفسروا نزوله إلى السماء الدنيا بنزول الرحمة. رحمة الله تنزل إلى السماء الدنيا والمغفرة. Ils ont interprété la descente de Dieu vers le ciel le plus bas par la descente de la miséricorde de Dieu, l'absolution de Dieu vers le ciel le plus bas. وفسروا إن الله خلق آدم على صورته. Ils ont interprété le texte dans lequel le prophète, prière et salut, lui dit Dieu créa Adam à son image. بمعنى خلق آدم على صورة آدم. Ça veut dire il créa Adam selon l'image d'Adam et non pas à son image, ça veut dire l'image de Dieu, non. Il créa Adam à son image, à son image à Adam. بمعنى آدم لم يتطور كباقي البشرية. Ça veut dire Adam n'a pas subi l'évolution comme toute l'humanité. On commence par être un caillou, je ne sais pas, dans le ventre de la mère, et après on devient bébé, et après on devient enfant, et après on devient jeune, et après on devient homme. Adam a été créé dès le départ un homme, à son image d'homme. بمعنى آدم لم يتطور كباقي البشرية. خلق على صورة آدم رجلا. والملاحظ أن مذهب السلف هو الأفضل والأسلم في زمانه. Ce qu'on remarque, c'est que le rite des salafs, des ancêtres, des prédécesseurs, est le mieux et le meilleur. Et là où il y a le plus de sécurité, mais il est le meilleur pendant son époque, à son époque, parce qu'il y avait la foi, il y avait la piété. ومذهب الخلف هو الأحكم. Et on remarque que le rite des successeurs est le plus sage à son époque. في زمانه لما كانت الفتن. Pendant, et le plus sage pendant l'époque des discordes et de la philosophie qui voulait détruire la religion. Je raconte là une petite histoire. Un homme, un maître, a dialogué avec un homme qui était aveugle. Donc un maître religieux, un maître spirituel parlait avec un homme qui était aveugle. هذا الرجل الأعمى كان يرفض تأويل الآيات. L'homme aveugle refusait l'interprétation des versets. Les versets équivoques bien sûr. كان يرفض تأويل الآيات المتشابهة. ويقول بإثبات مثلا اليد لله إلى آخره. Il disait par exemple il faut affirmer l'existence d'une main, réellement une main pour Dieu, etc. Le pied, la tête. فقال له الشيخ يعني يجب أن نفهم المعنى الحقيقي للآيات المعنى الظاهر للآيات لا المعنى المجازي. Le maître lui dit ça veut dire selon toi on doit comprendre le sens propre des mots et non pas le sens figuré. قال الرجل نعم. L'homme dit oui. فقال له الشيخ et le maître lui dit إن القرآن يقول بأنك ستكون في الآخرة أعمى كذلك كما أنت اليوم. Il lui a dit le Coran dit dans un verset coranique comme quoi dans l'au-delà toi tu seras de la aveugle de la même manière que dans la vie ici-bas.
tu seras ressuscité en tant qu'aveugle, comme aujourd'hui. فقال الرجل, et l'homme dit, أين وجدت هذا? Où as-tu trouvé ceci? قال الشيخ, le maître lui dit, قال الله, Dieu dit dans un verset coranique, ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Dieu dit dans un verset, celui qui aura été aveugle dans ce monde, celui-là sera dans l'autre bien plus aveugle encore et sur une voie bien plus aberrante. ثم قال الشيخ هل تقبل الآن التأويل أم لا? Le maître dit à l'homme, maintenant acceptes-tu l'interprétation des versets coraniques ou pas? قال نعم وتاب إلى الله. Il dit oui et il s'est repenti à Dieu. والعمي هنا يفسر بعمي القلب لا عمي العين. من كان قلبه في الدنيا أعمى فغدا سيكون أعمى وأضل سبيلا. Donc l'aveuglement ici, on l'interprète par l'aveuglement du cœur et non pas l'aveuglement de la vue. Ça veut dire celui qui aura été ou qui aura eu un cœur aveugle dans le bas monde, il sera aveugle dans l'au-delà et sera sur une voie plus aberrante. والنتيجة من كل ما قيل, le résultat de tout ce qu'on vient de dire, أن الله لا تشبهه مخلوقاته, que Dieu, aucune de ses créatures ne lui ressemble, ليس كمثله شيء, rien n'est à son image, وأن العقل لا وأن العقول لا تستطيع تخيله, et comme quoi les raisons sont incapables de pouvoir l'imaginer, وفي النهاية أقول, et à la fin je dis, إذا كنا لا نستطيع تخيل الله, si on est incapable d'imaginer Dieu, فقد أعطانا سبحانه وتعالى عوضا عن ذلك. Dieu le Très-Haut nous a donné une alternative à la place de ceci. أعطانا الأسماء الحسنى الإلهية. Dieu nous a donné une belle chose, une bien belle chose. Il nous a donné les noms divins d'excellence, les meilleurs noms ou les plus beaux noms qui sont les noms de Dieu. قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. Il y a certainement pour Dieu 99 noms. من أحصاها دخل الجنة. Celui qui les a énumérés entrera au paradis. هذه الأسماء الحسنى تعطي المشاعر الحسنة في القلب. Ces beaux noms ou ces noms d'excellence donnent des sentiments d'excellence, donnent des meilleurs sentiments dans le cœur. لمن عاش مع هذه الأسماء, pour celui qui aura vécu dans cette vie ici-bas avec ces noms. أعطي بعض الأمثلة. Je vais donner quelques exemples, pas tous les exemples parce qu'il y a 99 noms. مثلا الله اسمه الرحمن الرحيم. Par exemple, Dieu s'appelle le miséricordieux, le très miséricordieux. ماذا نفهم من هذا الاسم? Qu'est-ce qu'on va comprendre? On n'a pas besoin d'imaginer Dieu, la forme de Dieu, comment il est Dieu. Donne-moi seulement mon frère ou ma sœur ce nom et laisse-moi vivre avec ce nom. واتركني أعيش مع هذا الاسم الرحمن الرحيم. Il est le miséricordieux, le très miséricordieux. بمعنى أنا وأنت نعيش في رحمة الله. Ça veut dire moi, toi, tout le monde est en train de vivre entouré de la clémence, de la miséricorde. De qui? De Dieu, le très miséricordieux. الرحيم الرحمن. فالله يرحمني يرحمك. Dieu est miséricordieux envers moi et miséricordieux envers toi. Dans tous les problèmes par lesquels je peux passer dans ma vie, je ne dois pas oublier que Dieu est avec moi, avec sa miséricorde, par sa miséricorde. Allah Rahman Rahim. Et je ne dois pas oublier mes frères et mes sœurs, je dois vivre avec ça toute ma vie. Bi anna Allah idha kan yarhamuni fi dunya, hadi alama ala annahu sayarhamuni fi al-akhirah. Si Dieu était miséricordieux avec moi ou avec toi ou avec
tout le monde est miséricordieux avec tous les musulmans et miséricordieux dans ce bas monde, ça veut dire que c'est une preuve, c'est un signe qu'il le sera encore plus avec moi, avec toi, avec elle, dans l'au-delà. ولكن اسم الرحمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخلقوا بأخلاق الله. Mais ce nom de clémence, de miséricorde, le prophète, prière et salut sur lui, nous dit d'essayer d'avoir un caractère ou un attribut comme Dieu. Si Dieu est miséricordieux, toi aussi, moi aussi, je dois être miséricordieux. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من لا يرحم. Dieu dit, celui qui n'est pas miséricordieux ne recevra pas la miséricorde de Dieu, n'aura pas la miséricorde de Dieu. Il dit, soyez miséricordieux avec les gens qui se trouvent sur la terre, et celui qui se trouve dans le ciel le sera avec vous. Donc plus tu es miséricordieux, plus tu auras la clémence et la miséricorde de Dieu. بقدر ما أنت رحيم بقدر ما أنت تتعامل مع الناس برحمة بقدر ما الرحيم سيتعامل معك برحمة. الرحيم سيقول لك, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux va te dire, tu ne peux jamais me vaincre. Plus tu es miséricordieux avec mes serviteurs, plus je serai exponentiellement miséricordieux avec toi, et on va qui va vaincre l'autre. Un défi de la part de Dieu pour tout le monde. Allah yatahaddak ya abdi turid an takun arham minni la kullama rahimta ibadi ana arhamuk kun rahiman yakun Allah ma'aka rahiman. Sois miséricordieux et le très miséricordieux le deviendra avec toi. Allah ra'aytum جمال أسماء الله الحسنى. Avez-vous vu la beauté des noms d'excellence de Dieu subhanahu wa ta'ala? Allah ismuhu al-khaliq, Dieu s'appelle le créateur. Allah يعني كل ما حولي الله خلقه لي. Allah خلق لي كل ما أحتاج إليه, c'est-à-dire tous ceux qui m'entourent, ce sont les créatures de Dieu. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Dieu m'a créé tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une femme, il m'a créé ma femme. J'ai besoin d'enfants, il m'a créé mes enfants. J'ai besoin d'un manger, il m'a créé ce que je dois manger. J'ai besoin de l'air, il m'a créé l'air avec une quantité suffisante. Il m'a créé tout ce que je veux. Dieu me l'a créé à l'avance. Yani, il est le créateur. Andorna khalaq Allahu lak. Regarde ce que Dieu t'a créé ou a créé pour toi. Tu peux même pas compter ce que Dieu a créé pour toi. Subhanallah. Il est le créateur. Il a créé tout pour ton service, pour que toutes les créatures se mettent à ton service. Mais mon frère, tu dois à ton tour te mettre au service des autres. من بين أسماء الله الوهاب, parmi les noms, les 99 noms d'excellence de Dieu, il y a le donateur. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. تعرفون ما معنى الوهاب؟ Connaissez-vous la signification de الوهاب؟ Le donateur, c'est celui qui donne sans attendre un retour de l'autre. Il donne sans attendre le retour, sans contrepartie. Tu fais rien pour lui, il te donne. Il te donne, il pense pas, il calcule pas, il te donne. Pas besoin, il te donne, il te donne, il te donne. Jusqu'à ta mort, il te donne. Il est le donateur. Est-ce que tu ne penses pas au donateur qui te donne tous les jours ce que, ou tous les besoins? Al-Wahhab يهبك من غير عوض يعطيك ما يطلب منك شيء. الوهاب يعطيك من غير عوض, لا يطلب منك شيء, أنت لا تعطيه شيء وهو يعطيك كل شيء. هذا هو الوهاب. الوهاب il t'a donné d'abord toi-même, أعطاك نفسك أنت. الوهاب أعطاك الزوجة, وهبك الزوجة التي تحب,
ووهب للزوجة الرجل الذي تحب. الوهاب le donateur, il a donné, il t'a donné la femme que tu as aimée, زوجتك, ton épouse. أعطاك, أعطاك الزوج, il t'a donné le mari pour la femme. أعطاك الأولاد, il t'a donné les enfants. أعطاك كل شيء, il t'a offert tout, toute chose, tout ce que tu possèdes, mon frère. Wallahi, c'est le donateur qui t'a donné. Est-ce que tu ne penses pas au donateur? Tu ne penses pas à remercier ce donateur? Imagine, tu sors maintenant, quelqu'un t'attend devant la mosquée, il te donne 1000 euros. Tu vas le remercier ou pas? Il te donne, mon frère, si tu es jeune, une BMW, dernier cri. Tu vas le remercier ou pas? Tu vas le remercier. Mais Dieu t'a donné plus que ça. Il t'a donné plus, wallah, et si tu veux calculer ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas. Tu serais incapable de calculer ce que le donateur t'a donné depuis ta naissance. Mais lui, il te donne sans contrepartie, sans attendre un retour. Mais si lui, il est donateur, toi, mon frère, tu dois être avare ou tu dois être à ton service un donateur? بقدر ما تعطي ولكن الله وهاب معك وأنت لا تهب أنت لا تعطي تريد أن الله يعطيك وأنت لا تعطي أنت بخيل بقدر ما تعطي بقدر ما تهب سيهب الله لك plus tu donnes plus le donateur va t'offrir avec largesse de ses dons. الرزاق Dieu est le pourvoyeur, celui qui pourvoit les subsistances. الرزاق يعطيك الأرزاق. Dieu le pourvoyeur, il te donne les subsistances de toute forme. يعطيك رزق البطن, il te donne la subsistance pour le ventre, pour remplir le ventre. ويعطيك الرزق للعقل. العقل يحتاج لرزق لطعام. Il te donne aussi la subsistance pour la raison, la science. Il te dote de la science, il te livre, il t'apprend, il t'enseigne la science. يعطي la subsistance pour la raison. ويعطيك بالخصوص يا أخي وما أحلى هذا الكلام يعطيك رزق القلب طعام القلب هو الإيمان. Il te donne s'il veut et si tu es au niveau, il te donne la meilleure subsistance, pas celle des ventres ou pas celle des raisons, mais celle des cœurs, la foi, la subsistance qui nourrit les cœurs. Al-Karim, il est le généreux ou le noble. On peut Al-Karim, yani huwa Al-Karim. من إنسان كريم ذو جاه ذو عز الكريم أو الكريم يعني الذي يعطي بكرم الكريم le nom الكريم on peut le traduire en français soit par le noble ou par le généreux. Il te donne mais avec générosité, il te donne pas avec avarice. لا يعطيك ببخل يعطيك بكرم. هو الكريم, il est le généreux. ولكن كن كريما, mais sois généreux. كن كريما بمعنى بمعنى الذي سنقول بعد. كن عزيزا, كن كريما أنت كذلك, وكن كريما جوادا. Sois généreux et sois noble. إذا أردت أن تكون كريما فكن تقيا. Si tu veux être noble, sois pieux. الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Dieu dit les plus nobles parmi vous ou d'entre vous sont les plus pieux auprès de Dieu. بقدر ما تكون كريم كذلك الله تعالى وتبارك يكون معك كريم. العليم Dieu est l'omni et l'omniscient. العليم هذه مهمة. Celle-ci et bien sûr elle est importante. العليم العليم l'omniscient. Tout ce que tu fais mon frère, lui il est au courant. أعطيني هذه وقف. Donne-moi seulement ce nom et ça y est, je peux vivre qu'avec ce nom. Al-Alim, l'omniscient. Tout ce que je fais, il le sait. Il sait tout de moi. Même lorsque je suis seul, il est avec moi. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Il est avec vous là où vous êtes. Il est avec vous, ça veut dire avec son savoir, avec son omniscience. وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِ. Al-Alim, كُلْ ما تعمله يا أخي أمام الناس خارج البيت داخل البيت الله عليم به. Tout ce que tu fais mon frère à l'intérieur, à l'extérieur, en privé, en public, Dieu le sait. ولكن
إذا كان الله تعالى وتبارك عليم معك، عليم بك، ألا تحرص نفسك أمامه؟ Si Dieu est savant, omniscient, il sait tout de toi, est-ce que tu ne dois pas te préserver vis-à-vis de lui? Est-ce que tu ne dois pas surveiller ton comportement? Est-ce que tu ne dois pas plaire à lui, faire seulement les choses qui plaisent à Dieu? يعني إذا كان عليم فيجب عليك أن تعمل فقط ما يحب الله تعالى وتبارك. البصير، البصير l'omnivoyant، il voit tout. البصير أينما تكون يراك الله، الله tu es Dieu te voit. فإذا كان الله يراك فهل أنت ترى الله؟ Si Dieu te voit là où tu es, est-ce que toi tu vois Dieu? Le prophète prière et salé sur lui dit أعبد الله كأنك تراه. Adore Dieu comme si tu le vois. فإذا لم تكن تراه فعلم بأنه يراك. Si tu n'arrives pas à le voir, sache que lui, il te voit. السميع المجيب l'audion et l'exauceur, il t'entend tout ce que tu dis. Lui, il l'entend. Mais aussi lorsque tu t'adresses à lui dans une prière, ولكن لما تطلب لما توجه إليه دعاء لما توجه إليه رسالة يسمع ولكنه مجيب يجيبك. Donc lorsque tu le pries, lorsque tu parles avec lui, c'est vrai, il t'entend, mais en même temps il est l'exauceur, il va répondre à ton besoin ou à ton appel. ولكن أنت هل تسمع كلامه هل تسمع كلامه. Mais toi, est-ce que tu entends sa parole? Est-ce que tu entends ce qu'il te dit dans le Coran? Lui, il t'entend. Mais est-ce que toi, réciproquement, tu entends ce qu'il te dit? Est-ce que tu entends les appels des pauvres lorsqu'il te dit « Donne-moi quelque chose pour Dieu » هل تسمع نداء الناس كما الله يسمع نداءك؟ أيها الإخوة، يعني أسماء الله تعالى وتبارك كثيرة. Les noms de Dieu sont nombreux. ربما أختم بهذين الاسمين. Peut-être je vais clore avec ces deux. التواب الغفار. التواب le maître du repentir et l'absoluteur. عملت ذنوبا في الماضي. Tu as accompli des péchés dans le passé. La porte n'est pas fermée. Il est le maître de repentir. Reviens à lui. Sa porte est toujours ouverte. Jamais lui il ferme sa porte. Il est le maître du repentir. La yaghliq baba. Amilt ad-dunub, atman ad-dunub, tu as commis des tonnes de péchés. Reviens vers lui. Il est le maître du repentir. Il est le tawwab. Huwa at-tawwab. Qumt ya akhi bidunub, ya ukhti qumt bidunub. Oudi ila at-tawwab. Babuhu maftouh, sa porte est ouverte. Wa huwa al-ghaffar. Il est tawwab, mais il est aussi absoluteur. Il pardonne les péchés. Huwa ghaffar li kulli man tab. Il est absoluteur pour toute personne qui s'est repentie. Hal fi fi ad-dunya asma afdal min hadhihi al-asma? Y a-t-il dans le monde entier des noms plus beaux, meilleurs que ces noms? Y a-t-il dans le monde entier quelqu'un qui est comme Dieu subhanahu wa ta'ala? Donc comment oublier Dieu? Comment peut-on vivre loin de Dieu et oublier toutes ces merveilles qui nous entourent de Dieu subhanahu wa ta'ala? Le vrai croyant est celui qui va vivre, mais autour de sa tête, il y a les 99 noms de Dieu qui tournent autour de lui. Une fois il vit avec le Tawwab, une fois il vit avec l'absoluteur, une fois il vit avec le donateur, une fois il est avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Pendant toute sa vie, Wallahi, celui-ci, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entrera au paradis. Alladhi aash hayatu kullaha ma'a hadhihi al-asma' taduru bihi hadhihi al-asma' at-tawwab al-mughni al-ghani al-aati ila ghayr dhalik al-ghaffar al-karim al-jawad ya'ish ma'a hadhihi al-asma' hayatu kull aynama dhahab huwa yufakkir fi al-asma' hadhihi سيدخل إلى الجنة من أحصاها دخل الجنة. Celui qui aura énuméré les noms de Dieu, les 99 noms de Dieu, entrera au paradis. أظن أيها الإخوة والأخوات, je pense mes frères et mes sœurs, أن ما قلنا فيه الكفاية, ce que nous avons dit aujourd'hui est parfaitement, je pense, suffisant
إذا كنا لا نستطيع أن نتخيل الله si on n'arrive pas à imaginer Dieu au moins on vit avec ses plus beaux noms. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت، يا من لك الأسماء الحسنى، يا من لك الأسماء الحسنى، نتوجه إليك يا رب، احفظنا بأسمائك الحسنى. يا حفيظ يا حافظ، احفظنا من كل سوء، احفظنا واحفظ إيماننا في قلوبنا يا رب، احفظ الإيمان في قلوبنا يا رب، اجعلنا نعيش مع الأسماء الحسنى يا رب، اجعل حياتنا تحيا بأسمائك الحسنى، واجعلنا من أهل الحسنى والإحسان يا رب، احفظنا واحفظ زوجاتنا واحفظ بناتنا واحفظ أولادنا يا رب، احفظ إيماننا يا رب، يا غفار اغفر ذنوبنا، يا تواب تب علينا، يا مغني اغننا بفضلك وبجودك، يا كريم تكرم علينا بالإيمان، تكرم علينا بالرحمة، تكرم علينا بالحنان يا رب، ها نحن عبادك بين يديك، نتوجه إليك بأسمائك الحسنى. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى، اللهم اجعلنا من الذين هم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب صل وسلم على هذا النبي المعلم الذي علمنا ما لم نكن نعلم. يا رب صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب كما جمعتنا حول سيرته في هذه الليلة، اللهم اجمعنا حول حوضه يوم القيامة، واسقنا من يده شربة لا نعرف الظمأ بعدها، وأدخلنا وزوجاتنا ووالدينا وأولادنا وبناتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار كرامتك، إلى الجنة، كما أدخلتنا إلى هذا البيت من بيوتك. يا رب أدخلنا إلى الجنة غدا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.